pouvez pas entrer ici. Ce club est interdit aux personnes qui ne sont pas membres, et surtout à vous, foutu étranger. À quoi bon? Le club est devenu un véritable champ de bataille. Je suis blessé et tout le monde est à cran. Vous êtes qui, vous, d'abord? Charles Reed, détective privé. J'enquête sur l'un de vos récents invités. Vous devez parler de ce maudit prédicateur du marché aux poissons. Tout ça, c'est de sa faute. C'est lui qui a invoqué ces bêtes. Il les a invoquées? Vous plaisantez? Comment il a pu faire ça? Est-ce que j'ai l'air d'un magicien à face de poisson? Comment diable pourrais-je le savoir? Il l'a fait, c'est tout. Mais dans le chaos qui a suivi, il s'est enfui. Le nom de ce prédicateur ne serait-il pas Ebernut par hasard? C'est bien lui. Ça fait des semaines que nous pourchassons ce sale troc. On dirait que ça vous a mis dans un beau pétrin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Il me les brise, voilà ce qu'il y a de spécial! Cet homme n'a aucun respect pour la manière dont on fait les choses ici. Oh, je sens que ça va me plaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous énerver exactement? Regardez autour de vous. L'endroit est infesté de malbêtes. C'est évident qu'il manigance quelque chose. Nous ne l'aurions jamais découvert s'il n'était pas en retard sur son foutu loyer. Un loyer? Depuis quand des rigolos comme vous sont propriétaires? Oh, vous savez ce que c'est. Redates, Advent, Holdgrove, des quartiers qui seraient dangereux sans la protection appropriée. Si je m'écoutais, je penserais que ça ressemble étonnamment à du racket. C'est vous qui le dites. Notre groupe doit bien se financer d'une manière ou d'une autre. Les robes et les munitions ne sont pas données. Est-ce que quelqu'un a vu où il est parti? Je suis prêt à parier qu'il est retourné dans son repère. Je partirai bien à sa poursuite, mais je dois d'abord m'occuper de mes hommes blessés. Et vous allez me dire où il se trouve? C'est votre vie, mon cher. Les éclaireurs que j'ai envoyés à sa poursuite ne sont jamais revenus. Qui êtes-vous exactement? Vous vous adressez au sorcier impérial Gordon Mayer, étranger. Faites preuve d'un peu de respect. Oh, un sorcier. C'est de la magie. Montrez-moi un tour. Qu'est-ce que vous venez de dire? Allez, Gordy, soyez pas timide. Sortez un lapin de votre chapeau. Enfin, de votre capuche, plutôt. C'en est assez de votre impertinence, sale petite fouine.